Sa passion de la moto est venue très jeune. Loin de son île, le Corse Pasquale Leoni s'apprête à traverser toute la France pour vivre son rêve, l'enduro du Touquet. L'an passé, il avait bouclé 10 tours en 3 heures. Pour faire mieux encore, il s'entraîne sans relâche sur le sable de la Costa Verde, dans d'excellentes conditions. La particularité de ce circuit, c'est le sable, même si ce n'est pas le même que sur la plage du Touquet. C'est un terrain très accidenté, où on a des trous, des crevasses, des petites dunes, des vagues. C'est très cassé. Souvent, je m'entraîne avec des pilotes plus expérimentés ou débutants, afin de m'entraîner à me faire dépasser ou m'entraîner à dépasser, à changer ma trajectoire. Sans les mettre en danger, bien sûr, et sans me mettre en danger et sans faire d'erreur, surtout. Le jeune homme de 30 ans a commencé à rêver en regardant à la télé Arnaud Demester enchaîner les victoires. 20 ans plus tard, il décidait de s'inscrire, il s'est donné les moyens et s'est même formé à la mécanique. J'ai appris petit à petit, des amis. J'avais même fait un stage en mécanique à l'époque au collège. Et je me suis intéressé au remplacement des pneus, remplacement de pistons, un peu de tout. Sur sa Yamaha de champion, la même que Milko Potisek, Pasquale va vivre son troisième enduro. Il s'y prépare aussi en faisant 1 à 3 heures de sport par jour. De la moto, du VTT, même de la kiné pour se renforcer. Il portera le dossard 612 dimanche. À vous de le repérer.